c'est bien. Bien jeune fille. Magnifique Seigneur. Oh, Alléluia. Regarde là où tu avais mal. La douleur est partie. Et des guérisons là que Dieu accorde là. Magnifique Seigneur. Là où tu avais mal, Seigneur, merci pour toutes ces guérisons. Au nom de Jésus. Waouh, voici la présence de Dieu. Belle onction ce soir. Seigneur, merci pour ta présence. Oh, alléluia. Magnifique Seigneur, aide-moi. Jésus. Belle onction ce soir. Et c'est l'amour du Père, la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Cette jeune fille a un appel très puissant sur sa vie. Ses parents sont où? Dieu va beaucoup l'utiliser. Il faut vraiment l'aider dans la prière et méditer la parole chaque jour avec elle. Au nom de Yeshua. Oh, aide-la. Voici la prière. Waouh. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ton onction. Voyez, quand l'amour de Dieu, quand la présence du Père vient, ben Dieu restaure. Dieu console, Dieu libère, au nom de Yeshua, magnifique Saint-Esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Aide-la, voici la présence de Dieu. Dieu est bon. Dieu est glorieux. Dieu est tout-puissant. Dieu tout-puissant. Car mon cœur considère tout l'univers créé par toi. Le ciel d'Asie, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins. Les ombres du soir, de tout mon être, alors c'est le chant. Oh, la gloire de Dieu est sur elle. Dieu le baptise du feu. Tu es de tout mon être. Que son cher fils est devenu.
devenu mon frère. Oh Père! Et que je suis l'héritier du grand roi. Oh! Mon cœur heureux s'écrit. Oh Dieu d'amour! Oh Dieu d'amour! Que tu es bon, que tu es bon, mon cœur s'écrit à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es bon. Père, merci pour ton amour ce soir. Merci pour la puissance de ta parole. Oh Dieu. Oh Dieu. Que la puissance de la mort, de la vie de cette personne soit brisée ce soir au nom de Yeshua. Que le démon de mort qui embête cette famille, qui embête cette personne, qui veut l'emporter en enfer, je te chasse au nom de Yeshua, que ce démon soit chassé maintenant au nom de Yeshua. Je dis maintenant que tu quittes ce corps et que tu ne reviennes plus jamais au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Tu as été vaincu à la croix. Le Seigneur a triomphé de toi à la croix. Que cette maladie qui te ronge, qui ronge ton corps ce soir, te quitte définitivement dans le nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Sors! Dieu te guérit, femme. Dieu te guérit ce soir. Il y a une autre femme que Dieu délivre des liens de la mort. Là, je parle, la mort s'en va. Maintenant, au nom de Yeshua, ta soeur, la mort s'en va. Et cette maladie dans ton corps sort. Maintenant, je dis, sors! Sors! Acclamons le Père céleste, mes amis. Oh Dieu de gloire! La puissance de Dieu! Une femme ici a beaucoup pleuré pendant des années. Une femme ici a été beaucoup combattue par les puissances démoniaques. Une femme qui est venue ici, que Dieu a attiré ici, là où tu es, le Seigneur pose sa main. Là où tu es, le Seigneur pose sa main sur toi parce qu'il t'aime. Il est en train de t'arracher de ce trou. Il est en train de te sortir de ce trou. Oh, alléluia, alléluia. La confusion est brisée ce soir dans ta famille, dans ta vie. La confusion est brisée et le Seigneur t'accorde la joie. Il t'accorde la joie qui t'a manqué pendant des années. Il t'accorde la paix, la paix, la paix, la paix, la paix, la paix. Au nom de Yeshua. Cette tristesse s'en va. Pour de bon. Au nom de Yeshua. Seigneur, merci. 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 Wow. Qui sont ceux qui veulent le baptême? Venez me voir. Wow. On peut acclamer le Seigneur pour l'homme. Venez, c'est votre jour. Venez. Venez rentrer au ciel en donnant vos cœurs à Dieu. Profitez-en. Il ne faut plus les rapports sexuels. T'es prête? Voir à Dieu. Seigneur, merci. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Eh bien, vous allez pouvoir baptiser tout ce monde-là. Vous n'avez jamais baptisé? Vous allez baptiser dans le nom de Jésus-Christ. Ça vous intéresse? Gloire à Dieu, c'est la mission. C'est ça la formation. Waouh. Élevez vos mains vers le ciel. Le Seigneur va vous remplir de son esprit.
au nom de Yeshua. La puissance de Dieu vient sur vous maintenant. L'onction du Saint-Esprit vient vous visiter, vient vous guérir, vient vous remplir de sa force au nom de Yeshua maintenant. Oh Lord God, my Jesus Christ. Oh Lord, my God. Oh Lord, my God. Alléluia. Jesus Christ. Gloire à Dieu, c'est bon, allez-y, gloire à Dieu, alléluia, magnifique Seigneur. Qui a été guéri ce soir? L'enfant de 6 ans va parler d'abord avec lui, hein? Voilà, qui a été guéri ce soir par le Seigneur? Alléluia. Vous allez bien? Le baptême, c'est là-bas? Ah oui. Lui, après, on va attendre encore un peu. Qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Qui veut se convertir? Gloire à Dieu. Vous êtes tout triste. Vous allez bien? Oui. Vous êtes triste? Ah? Amen. Alléluia. Avant que je vienne, je voulais seulement demander pardon. Parce que hier soir, j'étais un peu égoïste. J'étais demandé de réunir plus souvent, c'est que pour moi tout seul. Et maintenant, je demande pardon à toute l'Assemblée. Et une chose aussi. Une chose aussi que je voudrais, mes parents, ils sont de Chine, ils sont en Chine, ils sont plus d'un milliard et demi. Ils n'ont pas la chance, comme nous avons cet évangile que nous avons aujourd'hui. Je voudrais bien qu'un jour, que tu fais partager aussi à eux, comme nous en avons eu aussi. Je garde un espoir que tu les rejoins un jour. Merci. Un de mes livres qui est traduit en chinois, je vais te le donner tout à l'heure. Amen. Avec joie. Alléluia. Waouh. Wow. Quelqu'un qui est ici, là, qui veut le baptême, il hésite. Viens. Dieu m'a dit que tu es là. C'est ton jour. Viens. C'est ton jour, Dieu t'appelle. Hein. Tu sens que dans ton cœur, là, c'est ton jour. Il faut courir ici pour recevoir ton baptême. Et le Seigneur va te remplir de ses dons, te remplir de sa grâce. Grâce à bénédiction parce que c'est ton temps. Il n'y a pas de honte à avoir. Tu te poses tellement de questions. Tellement de questions. Le Seigneur te tend la main. C'est toi? Viens. Dieu est bon. Alléluia. C'est bon. Wow. Quelqu'un est guéri de la maladie de peau. Hein? Tu es guéri d'une maladie de la peau. Viens.
Ça te gratte, non? Ces boutons là, tout ça, là, ça. Le désir de mon cœur. Tout lancement de mes jours jusqu'à dans l'éternité, je ne connaîtrai personne qui soit comparable à ta personne. Unique et le véritable, c'est toi. Oh, l'admirable, c'est toi. Tout genou fléchi, unique et le véritable. Mon Jésus, sors d'elle, sors. On acclame le Seigneur pour elle. Sors, mon Jésus. Quitte ce corps-là, démon. Quitte ce corps-là, voilà. Allez, tu remontes et tu sors. Tu remontes et tu sors. Tu remontes et tu sors. Allez, tu remontes et tu sors. C'est un sort qu'on lui a jeté. Le Seigneur est en train de briser cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un, quand il dort, il est souvent étouffé. Viens. On acclame le Seigneur pour vous faire. Sors, au nom de Jésus. Sors de là, Jesus. Oh Lord. Il est sorti avec une femme dans le monde, là, tout ça, là, quand il n'était pas encore bien dans le Seigneur. Cette femme l'a beaucoup, beaucoup envoûté, ensorcelé. C'est elle qui a la base de ça. Sors de là. Cet homme appartient à Jésus. C'est mon frère. Sors. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Jesus. Quelqu'un a des douleurs intenses dans son corps qui le paralyse parfois. Le Seigneur veut t'apporter la guérison. C'est bon, c'est réglé. Il veut restaurer ton corps entièrement. C'est des courbatures parfois, pas évident. Le Seigneur veut restaurer ton âme, ton corps, surtout ton corps physique. Quelqu'un commence à souffrir de cataracte. Le Seigneur veut guérir ses yeux. Sors! Sors, mon Dieu de Nazareth, quitte ce corps-là. Sors de là. Voilà, allez, sors. Allez, sors de là, mon Dieu de Nazareth. Sors de là. Jesus. Oh, alléluia. Sors de là. Allez, sors, voilà. Allez, sors, démon. Allez, sors, démon. Allez, sors, démon. Allez, sors. Sors, démon. Sors, au nom de Jésus de Nazareth. On acclame le Seigneur. C'est un démon qui s'en va là. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Allez, remonte et sors de là. Voilà. Allez, sors de là. Sors de là. Sors de là. Je vais pas t'entendre. Sors de là. Sors de ce corps-là, au nom de Jésus de Nazareth. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Allez, tu sors. Si. Tu vas sortir d'elle. C'est fini. Ton règne est fini dans ce corps. Cette femme, Dieu la délivre ce soir. Dieu la délivre ce soir. Elle te vomit, elle te vomit, elle te vomit, elle te vomit. Elle te vomit au nom de Yeshua. Voilà, chassez-moi ce démon de mort là. C'est un démon de mort. Chassez-le. Voyez ça. C'est un démon de mort qui a été envoyé par l'ennemi pour que cette femme fasse un AVC. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et meurt par la suite. Et là, elle est en train de vomir ce démon qui était là caché.
n'y a pas que moi qui chasse les démons. Vous voyez, les frères et sœurs peuvent le chasser aussi, les chasser. Donc, c'est pour cela que quand nous, on va partir, vous allez continuer à faire le travail. Allez prier pour les gens, c'est là que Dieu vous conduira et chasser les démons au nom de Yeshua. Là, elle vomit, là, ça sort. Oh Dieu. Dieu travaille. C'est beau, hein? Quand elle va se lever là, finir les douleurs, restaurer au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Vous allez bien? Le Seigneur va de plus en plus vous mettre ensemble là, pour prier ensemble. Il y aura d'autres personnes qui vont se joindre à vous. Et des maisons seront ouvertes ici et là. Et beaucoup de gens seront guéris. Beaucoup de gens seront visités. Beaucoup de gens seront restaurés. Le Seigneur va de plus en plus créer des connexions entre vous, là, tout ça. Là. Il nous montre l'amour que vous portez pour son nom, l'amour que vous avez pour son nom. Et beaucoup de couples seront restaurés. Je vois des couples. Et le Seigneur te voit, le Seigneur voit tes larmes, ma soeur, le Seigneur voit tes prières, le Seigneur entend tes prières. Et tu vas voir l'exaucement de tes prières dans peu de temps. Il y a quelque chose de fort qui arrive bientôt pour toi, là, sur toi. Au nom de Yeshua, le Seigneur le Sauveur, alléluia. Tu vois des ailes derrière ton dos et tu vas beaucoup, beaucoup marcher pour le Seigneur. Tu vas beaucoup, beaucoup courir pour le Seigneur. On va te traiter de folle. Tu seras passionné du Seigneur, alléluia, oh Dieu de gloire. Dieu est bon, hein. Il y a vraiment un appel sur ce groupe, là, il y a quelque chose comme une nuée là sur ce... Je ne sais pas ce qui se passe avec vous, mais... Waouh, le Seigneur répond. Waouh. Mon frère, tu vas beaucoup partager la parole, tu vas beaucoup enseigner la parole. Prépare-toi aussi, le Seigneur te prépare pour partager la parole aux gens. Tu vas avec un livre... La parole. Dieu est bon. Regarde là où tu avais mal. Touche ton genou. Quelqu'un avait des souffrances au niveau du genou gauche. Là. Regarde ton genou. Là. C'est fini. Comment Jésus. Si c'est fait, tu lèves ta main. Regarde là où je parle, le genou gauche. Là. Dès que tu as la guérison, là, tu lèves ta main. Le Seigneur, Dieu est bon. Le Seigneur guérit, le Seigneur sauve. Ça va, la dame, là, elle est partie, là. C'est ton genou. Ah, t'es sûr? Il n'y a plus rien. T'es sûr? Viens, mon frère. On peut acclamer le Seigneur pour cette guérison. Sois béni. Tu avais mal depuis quand? Un moment. Avec gloire à Dieu. Le Seigneur t'aime beaucoup. Hein. Il me dit de te dire qu'il y a des conversions dans ta famille arrivent. Beaucoup de conversions là. Ces enfants là, tout ça, la conversion là, ces jeunes, la conversion là, tout ça. Là. Des guérisons, tout ça, au nom de Yeshua. Alléluia, alléluia. Au nom de Yeshua, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu t'aime beaucoup. Amen. Ça va? Arrachez vos cannabis là, de vos maisons. Il faut vous débarrasser de vos drogues. Quand j'ai touché sa jambe, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire cela. Arrachez ça. Vous allez me dire, frère, lui, toi, tu n'es pas d'ici. Tu ne sais pas, tu ne connais pas la souffrance dans laquelle nous sommes, la galère dans laquelle nous sommes. Ce que vous faites, vous êtes en train de montrer à vos enfants le chemin, un modèle à suivre. Ça va les détruire. Regardez, si vous croyez que Dieu
qui nous a fait déplacer de si loin jusqu'ici pour vous partager ces choses. Si vous croyez que ce Dieu est capable, comme vous le voyez, hein, s'il est aussi capable de guérir des malades comme ça, c'est qu'il est capable, si vous prenez la décision de vous sanctifier, d'obéir à sa parole, de respecter ses autorités, il est capable de prendre soin de vous. Il est capable. Et ça aussi, c'est aussi notre responsabilité en tant qu'Église. Quand quelqu'un abandonne la drogue, de faire des offrandes pour aider la personne de temps à autre, le temps de l'aider, tout ça. On peut s'organiser. C'est ce que nous essayons de faire ici et là. Quand quelqu'un quitte, abandonne la drogue, on essaie de s'organiser pour l'aider. Et puis l'aider aussi à faire des démarches pour trouver du boulot. Et voilà. Parce qu'on tue avec ça. On tue des jeunes. Donc il faut vraiment, s'il vous plaît, sortir de là. Et le Seigneur vous bénira. Je vous dis que mon Dieu vous bénira. Ça va, mon frère? Ça va? Oui, toi. Ça va, jeune homme? Tu es baptisé? Oui? Tu aimes le Seigneur? Gloire à Dieu. Tu es baptisé par immersion? Tu vas être envoyé auprès des délinquants, auprès des gens, des drogués. Et ça va être ton appel. C'est ton appel. Et tu vas leur partager la parole. Et beaucoup seront touchés. Dieu te sort de loin, de très très loin. Il n'a pas voulu que la mort te frappe pour que tu le serves. Et Dieu va vraiment toucher ton cœur, va essuyer tes larmes. Alors prépare-toi à cela. Hein, comme Joël, comme Miché, tu vas crier de la part du Seigneur. Quelqu'un a été guéri de l'estomac ici. Quelqu'un a été guéri de palpitations cardiaques. Des migraines aussi. Voilà, on a fini. Demain, c'est la dernière journée. Demain matin, nous sommes à Toa-Retour. Demain matin, on est à Toa-Retour, 9h30, c'est bon? 9h30 chez Maman Omblin. En face de l'école primaire de Toa-Retour. Pour Didasco, côté mère. Hein, c'est bon? Amen. Et demain soir, on est ici, c'est la dernière soirée. Et si Dieu permet, on va faire une onction d'huile sur toutes les personnes malades. Amen. Voilà. Et puis, vendredi matin, ben, on décolle. Et on reste avec notre Jésus. On reste avec Jésus. Amen. Amen. Et puis, Dieu continuera son œuvre avec vous. On va entendre depuis Paris qu'en Polynésie, il y a des gens que Dieu utilise pour la délivrance, des gens que Dieu utilise pour la guérison, pour prêcher la parole. Et on va entendre cela. Je suis convaincu de cela. N'est-ce pas? Donc, on va partir avec un cœur, bien sûr. Il faut reconnaître que... Ouais, on est cette famille que Dieu nous a donnée, cette famille. Et comme Paul, une fois, il se séparait des frères, les gens pleuraient, mais on est ensemble. D'accord? On prie les uns pour les autres, on avance ensemble, et puis si on ne se retrouve pas sur terre, on va se retrouver où? Alors, c'est bon. Et la mission de l'Afrique, hein? On vous invite en Afrique en mission à, du 6 au 12... octobre. Voilà. Donc, pour les informations, vous pouvez voir nos frères et sœurs qui sont avec nous. Et puis, voilà. Et on vous propose juste là, pourquoi cette mission, c'est une tournée. Hein. Donc, vous allez faire, on fait... Et si vous pouvez venir soit deux jours avant, à Paris, et sur le retour de Abidjan, Paris, vous pouvez rester à Paris si vous voulez, 3 ou 4 jours ou une semaine, comme vous le souhaiterez. Et comme ça, on va vous faire tourner. On va faire une mission en ce même temps en Belgique, voir les frères et sœurs de Bruxelles, comment là-bas avec l'épicerie solidaire, Dieu nourrit plusieurs familles, notamment des familles musulmanes qui commencent à se convertir, des Arabes, et des gens de toutes sortes. On va vous faire visiter aussi nos épiceries, il y en a plusieurs à Paris.
La première, c'est celle de Courcouronne qui nourrit 600 familles par mois. C'est des boutiques, des magasins, il y a beaucoup de nourriture. Et les gens viennent avec des caddies faire des courses gratuitement. Voilà. Il y en a pas mal en France, il y en a aussi en Guadeloupe. Et nous allons aussi mettre une épicerie ici. On va vous dire comment vous allez vous organiser pour trouver des locaux. Pas pour une église, mais pour une épicerie. Les gens qui ont faim viendront faire des courses gratuitement. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout ça, là, c'est possible. Donc, les orphelinats aussi. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on a deux orphelinats au Mexique, en Haïti. En Côte d'Ivoire, vous allez voir les orphelins là-bas aussi, les veuves. Et au Gabon, au Congo, au Bénin. Et chaque mois, plus de 5000 euros sont envoyés dans ces différents orphelinats pour nourrir les orphelins. Là, on vient d'achever la construction d'une maison pour les veuves au Congo. Il y a 150 veuves qui sont logées sur place. L'évangile, c'est aussi aider les pauvres. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le social. Énormément. Énormément. Et voilà comment on s'organise. Alors, ce soir, il y a certainement des gens qui n'ont pas à manger, qui ont faim et qui ne savent pas à qui parler. Hein? Donc, David, tu peux nous donner un peu, s'il te plaît. On va participer pour aider les gens qui n'ont pas à manger. Mais à la fin, allez voir Rémi pour lui dire si vous avez à manger ou pas. Et on va essayer de s'organiser. La dernière fois, ma soeur Rémi me disait qu'elle a donné un peu ce qu'elle avait en offrande à un couple qui n'avait plus rien. Et l'évangile, c'est aussi aider les pauvres. C'est pas faire des offrandes pour donner au pasteur. C'est faire des offrandes pour... je veux te dire ça à l'oreille, comme ça, personne ne m'entend. Donc, je mets ça là-dedans, hein, ma participation, notre participation. Voilà. Donc, ceux qui ont à cœur, à la fin, allez la voir pour nous dire si vous avez à manger ou pas. Ben on va vous aider. Voilà. D'accord? Les offrandes étaient faites pour les frères et sœurs. Ce n'est pas pour les bishops. C'est pour ceux qui ont les besoins. Gloire à Dieu. Donc, les renseignements généraux qui sont là, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Et nous ne sommes pas venus pour l'argent. Ça reste ici. Que Dieu vous garde en tout cas. Et à demain. On va acclamer, je veux pas. On acclame Jésus, alléluia. Merci Seigneur Jésus.